Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff et nous retrouvons pour notre 29e épisode du Let's Play de Phoenix Wright Ace Attorney. Et nous sommes enfin au dernier jour, au dernier procès. Est-ce que Phoenix Wright va continuer à défendre Monsieur Lonté et peut-être trouver quelqu'un qui pourrait avoir fait ce crime? Réponse tout de suite. 20 octobre, 10 h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Human check! Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustave Lonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Ceci est le dernier jour du procès. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Très bien, Monsieur Hunter. Votre déclaration de préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité le crime a eu lieu au studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des personnes qui étaient au studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien. Hunter m'a l'air d'être un peu plus à cran aujourd'hui. Vous pouvez appeler vos premiers témoins, Monsieur Hunter. L'accusation appelle Mademoiselle Di Vasquez, là-bas. Madame Di Vasquez, qui est la productrice, se trouvait au studio 2 le jour du crime. Et la voici, Mademoiselle Di Vasquez, tous de noir vêtus. Le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession? Di Vasquez, productrice chez Gobba Studios. Le jour du meurtre, vous étiez dans le studio, dans le studio du studio 2. Comment tout le monde le sait, oui. Je n'aime pas le blabla inutile. Si c'est pour pontifier, attendez que je sois parti. Déjà très drôle début du procès. Très bien, monsieur mademoiselle Vasquez. Veuillez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre. Nick. Je sais que c'est elle la coupable. Fais-lui payer! D'accord. Si elle est coupable, je la prendrai la main dans le sac. Façon de parler, bien sûr. Déposition du témoin le jour du meurtre. Je suis entré dans le mobilhome un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16 h. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatigué, donc j'ai demandé à la salle de m'emmener. À 14 h 30, on a fait une pause d'un quart d'heure. Sal et moi avons mangé des côtelettes devant le mobilhome. On a trouvé le cœur d'Hammer plus tard, quand on est tous allés au studio 1. C'est tout. J'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage. Vous étiez fatigué, donc vous avez demandé à Sal de vous emmener? Le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui se cassait la figure. Fourgon ajouté au dossier de l'affaire. Intéressant, fourgon va être très intéressant. Je vois. Très bien, monsieur Wright, votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. C'est le dernier combat, Nick. On va y arriver. Le contre-interrogatoire, c'est le jour du meurtre. Je suis entré dans le mobilhome un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16 h. Ok, donc on va attaquer là. Personne n'est sorti au cours de la réunion. Personne. Allons parler de ça plus en détail. Objection! Le témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. On pourrait en dire autant de vous, monsieur Hunter. Et cessez de taper sur votre bureau, c'est désagréable. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. Ok. À quel moment était-ce précisément? Je m'en souviens pas. Vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler? Non. La réunion a fini à 16 h. Et là, j'ai... Non.
La réunion a fini à 16h et la générale était prévue pour 17h. Je suppose que c'était dans cette laps de temps. Vous supposez? Voyons, vous n'avez fait qu'évoquer l'évidence, monsieur Hunter. J'étais fatigué, donc j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Ok, bien le van. Un instant. Vous avez demandé à Sal de vous emmener? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut bien dire que ça va dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Oh bon, d'accord. On a fait une pause d'un quart d'heure. Ok, on peut encore appeler. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là? Arrêtez de taper sur votre bureau. Ça m'agace. Oui, oui, monsieur Wright. Oups. Ça, c'est beau. C'était une pause d'un quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le boulot. Quelqu'un peut-il le confirmer? Sal. Non, non, je veux dire quelqu'un d'autre. Une personne, ça suffit. Si elle avait commis une mort pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'avait pas mangé ses côtelettes. Alors Nick, trouve quelque chose? J'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus. C'est pas évident, je crois qu'elle est habituée à son rôle de patronne. Mais je suis sûr que tu vas trouver une contradiction sur ce qu'elle a dit. Obligé. Bon, ça va. Non, mais de toute façon, c'est pas là-dedans. C'est obligatoirement la dernière. Pour moi, c'est la dernière ou l'avant-dernière. Je sais pas, là. Je suis inquiet. Ensuite, on devait avoir une répétition générale. On va rappeler là. À quel moment était-ce précisément? Ah, ok, on l'a déjà fait, parce que vous voyez, là, je peux directement mettre ça, ok. J'étais fatigué, donc je demandais à Sal de m'y emmener. Via le van. My note. Non, bah, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Bon, bah, j'ai raté encore une fois, donc là, vous voyez que j'ai un. Oui, ça, j'ai compris. Oui, merci, je sais, merci. Je sais. J'étais fatigué, donc j'ai demandé à Sal de m'y emmener, ok. À 14h30, on a fait une pause d'un quart d'heure. Bah oui. Bah non, c'est pas bon. Est-ce que... Attends, je sais que c'est là qu'il faut attaquer. Je sais que c'est là. Mais est-ce qu'il faut attaquer ou présenter? Il me semble qu'il faut présenter, mais j'en suis pas sûr du tout. Désolé, je suis un peu inquiet, ce que là, je me dis. Parce qu'il y a déjà une table, attends. On a déjà une assiette, mais c'est... Ah, voilà, c'est bon. C'était bien... J'avais un doute, mais c'est ça. Ah, c'est bien ce que je pensais. Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, monsieur Wright? Regardez ceci. C'est une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Monsieur Wright, dois-je vous rappeler ce que c'est qu'une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir. Rappelez-vous, madame Vasquez et monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobile home. Et il n'y a pas de T-bone steak. Mais il n'y avait aucun os dans les assiettes. Les assiettes étaient donc vides! Madame Vasquez? Dites-moi, comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? Je pense savoir comment. Si vous avez également mangé l'os? Pourquoi pas? C'est une côtelette désossée, ça n'existe pas. Donc vous n'avez pas mangé de côtelette. Vous n'avez pas mangé de côtelette pendant cette pause? Vous avez pris votre steak et vous l'avez jeté quelque part, comme dans l'incinérateur. Je vois. Mais alors qu'a fait madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Rencontrer sa moyenne d'acier, il va pas s'en prendre à son modèle parce que c'est la personne qui suit partout, c'est un chien. Elle a rencontré sa moyenne d'acier. Silence! Êtes-vous en train de dire? Oui, votre honneur. Lorsque madame Vasquez a quitté le mobilhome pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué.
tué de vos propres mains. Monsieur White, n'est-ce pas un petit peu présomptueux? Objection! Quel mauvais coup êtes-vous en train de manigancer, monsieur White? Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué? Oui. Fascinant. Moi qui avais peur de m'ennuyer encore un peu aujourd'hui. Très bien. Voyons voir de qui de nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, mademoiselle Vasquez. Bonne chance, Nick. Voyons voir. C'était quoi l'arme du crime déjà? Ah oui, le sabre de samouraï. Et comme vous le voyez, j'ai un peu tout un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever un sabre aussi lourd? C'est sûrement impossible, par contre. Parce que, tout simplement, je réponds encore une fois, c'est que vu qu'il est très lourd, il est difficile pour une femme de sa stature de prendre un accessoire, même s'il est assez lourd, il fait au moins 20 kg, ça fait au moins un tiers de son poids. Vous auriez beaucoup de mal à manipuler ce sabre et à l'utiliser comme arme. Comme la majorité des gens. Ah. Vous voyez? Oui. De toute façon, ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Ce qui veut dire que le sabre des samouraïs n'était pas l'arme du crime. Quoi? Nani? Qu'est-ce que ceci signifie? Le sabre de samouraï a été retrouvé par terre, à côté du corps de la victime. En voici la preuve, votre honneur. Je vais vous prouver que le sabre de samouraï n'est pas l'arme du crime. Tout simplement, parce que il y a déjà eu un truc, il y a 5 ans, et il y a 5 ans, c'était pas un samouraï d'acier, là, c'était pas un sabre d'acier, ici. C'était juste une fence de ça. Là. Et on a remarqué, en fait, qu'une des fences, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, moi je l'ai remarqué, qu'une des fences était tordue. Donc, on peut se dire que c'est ça. Oh, Thomas Wright. Mais je n'ai encore rien dit. Vous vous connaissez suffisamment pour savoir quand vous allez présenter le mauvais élément. Moi aussi, je peux sentir avec mon sang fail. Ok, ok, je n'ai pas choisi la bonne pièce à conviction. Il y en a marre de ces sensations. Bon, voici la véritable preuve, votre honneur. Nanana. Et pas la main du crime. Bon, je sais pas, j'en sais rien. C'est pas ça? C'est pas la photo? Alors, c'est quoi? Le sabre de samouraï lui-même. Ah, voilà. Je présente la preuve, la présente arme du crime. Mais c'est l'arme du crime! Pas si vite. Souvenez-vous, ce sabre s'est cassé le matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparé. Et ce quelqu'un, c'était la dame de la sécurité, mademoiselle Gabby A. Chouette. Elle l'a réparé avec du ruban adhésif. J'adore la tête. Maintenant, dis-moi, comment serait-il possible de poignarder un homme avec un portant un costume épais avec ceci en transperçant sa poitrine? Silence, silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? Pensez à ce que vous. Silence. C'est moi le témoin, et je veux qu'on m'écoute. Avez-vous toute votre tête? Est-ce que, comme moi, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si le sabre de samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment un meurtrier peut-il être tué? Je vous le demande. Eh bien, monsieur Wright, prouvez-vous qu'une autre arme peut tuer monsieur Hammer. Et oui, je peux le dire. Oserais-je faire ce genre de déclaration, savoir quelle est la... Ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime. C'est que parfois vous faites preuve d'une confiance ou un peu exagérée, monsieur Wright. Très bien, nous découvrons cette arme du crime dans ce cas. Et dans ce cas-là, là par contre on peut présenter la photo de 5 ans, où justement, il y a la fameuse pointe en fer. On va présenter ça. Mais pas dans cet épisode. Petit cliffhanger. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce procès. C'est un beau cliffhanger, mais je voulais vous laisser sur ça. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play. C'était TGF, stay tuned!